Ah oui, c'est le moment où il court n'importe comment. Ok, on y est presque. Oula. Oui, 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 oui. Terrible. Mais l'outsider est déjà mort. D'accord. Très bien. C'est pas grave, hein. Salut. Voilà. C'est purifié, ça fait plaisir. On est pressé. On récupère le petit truc qui est par ici. Ensuite. Ok, là ça tourne ici. Ah, il fait si froid. Alors, voilà pourquoi je déteste l'Otherworld. Les traces s'arrêtent ici. Où est le Oni? Ah, est-ce que les traces ont pu s'évanouir? J'ai entendu dire que ça faisait ça quand il mourait. Peut-être qu'on devrait abandonner et retourner en arrière. Nous avons également la limitation de... La limite d'exposition, dont il faut qu'on... Qu'on fasse attention. Attends, il arrive. Nouveau Oni. Nouveau boss. Ah oui! Oui, c'est un nouveau nouveau. Enchanté. Il a l'air véloce. Il faut battre le Blade Tail. Ah, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il est gros. Et rapide aussi. Plus c'est gros, mieux c'est. En avant. Je pense pas qu'on ait le choix. Battons-nous, Slayer. Un Blade Tail. Ah, mais sa queue fait tellement peur. Les pattes, la corne, ok. Assez classique. Oups. Quicksilver. Ah oui, mais Quicksilver, c'est ma compétence. De bras de toute façon, donc les trucs qui améliorent Quicksilver, je devrais pouvoir les utiliser en vrai. C'est bon, je comprends. Enfin, je rééquipe le bonus de Quicksilver. Est-ce qu'il y a un manuel d'instruction pour cette Demon Hand? Ça donne une forme matérielle aux pensées. La détermination est la clé, d'après le professeur. Ah, c'est la seule explication qu'on a. Ah, j'imagine qu'on peut tenter avec ça. Oula. Tsubaki. Tsubaki qui n'en peut plus. Ah, mais le mec vole. Bon, on en est là. Nice. Et quelques coups. Et ça passe. Nice, 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 nice.
balance tout ce qu'on a. Très bien. Alors ramène ta puissance maximale. Kamuna. Bah, je commence à penser que... que peut-être que tu aimes être dans des endroits désespérés ou des situations désespérées. Quel genre de psycho t'es ? Ah, silence. Je vais essayer de lui prendre la queue. Oh. Yes, on peut la couper. Pony Slayer, nouvelle capacité, cool. Level up pour Con Master. Level up pour protection, niveau 3. Excellent. Et voilà ce qui fait l'affaire. Descendre aux cendres. Retourne à l'endroit d'où tu es né, créature de l'Otherworld. Cherchez celui que j'aime. Lady Shizuka. La forteresse est à nouveau en sécurité. Du moins, pour le moment. Cette Demon Hand est plutôt pratique, n'est-ce pas? Ah, je suis contente que tu l'aimes bien. Nous sommes proches de notre limite d'exposition. Retournons sur nos pas. Ah oui, tu as raison. J'aimerais également savoir ce qui s'est passé avec Léonie venue du Nord. Retournons au village alors. Allons voir ce qu'il en est de la situation. Ah, tu sais quoi? Je pense qu'on fait une bonne équipe. Ah. Attends. Mais qu'est-ce qui est en train de se passer maintenant? Hey, Slayer! Ah non, je pensais qu'on allait prendre tout le monde avec nous. Ah, maintenant ça va être avec Lady Shizuka. Ah, hâte de te voir à nouveau. Maître Kuro, ah, je vous attendais. Maître des Mitama. C'est grâce à vous que j'ai pu être réuni avec mon Maître Kuro. Avec le Mitama de Minamoto no Yoshitsune qui réside en vous. Je me dois de vous rembourser cette dette. Permettez-moi de vous montrer la porte qui réside sur cette terre. La porte de souvenirs distants ouverts sans leur consentement. Et maintenant, je dois vous y emmener. D'accord, donc c'est ce Mitama-là qui nous permettra de refermer le trou de miasme de l'ère de l'honneur. Chemin de la toundra dans l'âge de l'honneur. Sauf que là, on y est tout seul, donc c'est un peu chaud. Ah oui, genre, on y est, on nous montre, on repart, pas de soucis. Ça va, c'est juste un sneak peek, tranquillement. Ah, qu'est-ce qui vient de se passer? J'en ai aucune idée. Wow! Ah, est-ce que c'est une espèce de tour de magie? Ah, qu'est-ce qui vient de se passer? Est-ce que les Slayers peuvent faire ça aussi? Bien sûr que non. Ah, dis-nous, qu'est-ce qui est arrivé? C'est dû à des Mitama. Un Mitama t'a montré un paysage. Mais de quoi est-ce que tu parles? Ah, tu es définitivement très surprenante. Ah vraiment? Dans un monde avec des Mitama et des Oni, c'est ça qui te surprend?
Hey, j'ai des sensibilités différentes des tiennes. C'est comme la dernière fois. Tu te mets à apparaître soudainement comme si... exactement comme un Oni qui apparaît d'une porte. Ça suffit. Retournons au village. Tout le monde doit s'inquiéter pour nous. En avant. Ah là là. Mais au moins, voilà, on commence à comprendre un petit peu la structure. Nouvelle zone, nouvel âge égale un Mitama à choper, des comptes shop. Bonjour, je te montre l'endroit où il va falloir fermer le portail. On regagne la conquête de cet âge. Et ça nous permet ensuite d'avoir une nouvelle base avec un nouveau point de TP. Merveilleux. Ah, tu vas bien, Tsubaki. Yakumo, tu es de retour. Et toi aussi, Benizuki. Contente de te voir, Tsubaki. Je suis contente qu'il t'ait eu avec eux. Alors, Léonie du Nord, où étaient atomisés par les samouraïs. Je devrais ajouter cette petite mention, hein, bien sûr. Les samouraïs. se montrer au milieu de la bataille pour finalement prendre tous les crédits. C'est toujours mieux que de ne pas se montrer du tout, n'est-ce pas? Toujours mieux, oui. Les samouraïs nous ont rejoints lors de la bataille. C'est grâce à cela que nous avons été capables de vaincre les Oni et de maintenir tout le monde en sécurité. Nous avons été aidés par un samouraï également, Kamuna. Comment se sont passées les choses avec toi? Nous avons vaincu. Bien. Très bien. Notre travail est fait, nous en allons. Bien. Alors on se reverra plus tard. Les gens bizarres. Qui est bizarre ici? Ah mince, il y avait un portrait... De la fille qui s'en va là. Du coup, je l'ai pas vu. J'ai suivi point de suspension, j'ai fait ok, aucun intérêt. c'est bizarre. Les samouraïs ne sont généralement pas aussi coopératifs. Il semblerait que leur commandant second, Manazuru, ait eu un mot avec eux. Tout le monde a une confiance complète en elle. Ah, le commandant démon, le Demon Commander. Alors chef, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Nous allons maintenir une haute alerte pendant un petit peu plus longtemps. Tsubaki, tu restes dans le village pour un moment. Sois prête à aller soit au nord, soit au sud, selon ce qui est nécessaire. Compris. Vous pouvez compter sur moi. Claire, Gwen, merci pour tout. Est-ce que je peux garder cette Demon Hand? Ça ne devrait pas être un problème. Le professeur a dit de les donner à des gens de confiance. Merci alors. Je veux devenir le Slayer ultime. Vous devriez faire de bons rivaux pour moi. J'espère que nous aurons tous l'occasion de nous améliorer en jouant les uns contre les autres. Elle a l'esprit de compétition. On va la taunter un peu là. On va lui faire une petite boutade. Ah, tu penses que je n'ai aucune chance? Intéressant. Oui, voilà. C'est le genre de relation qu'elle veut. J'ai bien compris. Ah, nous nous reverrons, Tsubaki. Oui, j'en suis sûr. Tsubaki et Kamuna peuvent maintenant rejoindre d'autres équipes. Ah bon? Ouais, genre, on a un membre des gardes et un membre des samouraïs qui sont juste avec nous. Leurs chefs disent rien, tu sais. Petit souci d'hierarchie chez eux, mais d'accord. Bah, tant mieux pour moi, après. Retournez voir le professeur. Merveilleux. Poète, 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 poète. Merci d'avoir protégé le village. Ah, on ne peut pas prendre de mission ici, visiblement. Peut-être avec le mec à côté, mais ça m'étonnerait. Et voilà, lui, c'est les entraînements de la vie. Ah, ça y est, timing parfait, comme toujours. Merci beaucoup de m'avoir partagé
de m'avoir laissé partager mes inquiétudes avec toi l'autre jour. Ah, toutefois, je ne vois toujours aucune augmentation du nombre de clients. Ah, c'est ce qu'il y a toujours un problème avec ma cuisine. Ah, même si c'est le cas, je ne vais pas abandonner. J'ai pensé à de nouveaux repas. Est-ce que tu vas m'aider à rassembler les ingrédients? Cette fois, j'ai besoin de matériaux qui viennent de Bloodhunters et de Blade Tales. Tu es la seule personne à qui je peux le demander. Tous les autres deviennent pâles dès que je leur demande. Merci pour ton aide. Un Bloodhunter et un Blade Tale. Blade Tale, c'est celui qu'on vient de battre. Bloodhunter, on en a encore jamais vu. C'est l'évolution du Bloodhunter, bien sûr. Donc il y a toujours les variantes. Ça existe toujours. Oh, il a réussi une mission. Activate Discovery Ability. Et donc ça, c'est parce qu'il a eu de la Discovery Ability. Ok, d'accord. Extraordinaire. Je peux pas l'améliorer. Ah, mais maintenant, je peux lui faire des mélanges. Oh. Oh. Ah. C'est sûr de louper. Il y a pas de questions à se poser. On va lui faire aller là. Hein. C'est l'eau aussi. Mais... Oui, j'ai un truc. J'ai un truc gratuit. J'ai sauvé un mec de son équipe. Énorme. Des nouveaux trucs là. C'est toujours moins bien que ce que j'ai d'ailleurs. Ah, celle-là est mieux. C'est de Blade Tail là. Oh, lui il peut évoluer. C'est pas ce que j'ai équipé actuellement, mais il peut évoluer. Énorme. Ouais, ça coûte 3000 balles. Allez hop, c'est gratuit. Est-ce que je l'équipe? Oui, pourquoi pas. Parce que là j'ai 204 plus 29. Et l'autre que j'avais c'était quoi? 210 plus 46. Ah ouais, non, en fait... Ah oui, quoique, j'ai plus de dextérité par contre. Est-ce en une que je peux acheter? Ah oui, bah c'est celle-là. C'est celle du Blade Tail au final que j'ai construit de moi-même. Le plaisir. Bah, je vais la fortifier. Hein. Ah lui, c'est plus le même objet pour fortifier. C'est des chipped broadsword maintenant. Très bien. Toujours pas augmenter les trucs au-dessus du niveau 3 lui, hein, par contre. Il est honte. Maintenant on a les Windblade ici. Le plus de défense là, ouais bon ça se discute. Par rapport au truc du Hunter, ouais. Par contre le truc du Gale, l'armure Gale reste la meilleure, clairement. Au final c'est surtout ça qui est pas mal. Plus 16, moins 19. Mais on gagne plus de points en élémentaire. Je vais prendre ça. Hein. Après le reste, c'est moyennement convaincant. Sauf lui à la rigueur. Je perds 50 en Aegis quand même, mais... Je gagne un peu en défense et niveau élémentaire, c'est mieux aussi. Ouais, ça par contre, c'est clairement moins fort parce que j'ai du Gale à la place. Ah, je peux peut-être fortifier l'armure. J'ai fait ça. Ah, on peut les reforge aussi, tous ces trucs-là, énorme. Alors, je peux améliorer des trucs, mais pas ce que j'ai équipé. Terrible. C'est pas mal, hein. Ça va bien ensemble. J'ai des gros pics de partout, du coup, mais... Mais c'est plutôt cool. Je suis un peu plus chevalier du coup. Un espèce de petit mélange entre danseur et chevalier, c'est un peu bizarre mais mais ça marche plutôt pas mal. Et une nouvelle épée en plus qui est assortie. Voilà, merveilleux. Merveilleux. Je vais aussi faire Order Food, tout ça. On a ça, on peut faire des wraps de Orwing.
Ça augmente ma puissance d'attaque élémentaire. Ah oui, au niveau de mes Mitama, on va plus avancer dans le jeu là, je fais juste ça avant de partir. On arrêtera la session à ce moment-là. Les Mitama, je voulais voir les trucs à équiper. Quick Boost. Donc, quand j'utilise Agility, j'ai moins de cooldown. D'accord. Ça me sert à rien. Réduit le focus pour Acrobat, mais Acrobat au final je l'ai pas. Donc ça me sert pas non plus. Acrobat à mon avis c'est lorsque ça c'est en speed. C'est pour ça qu'il montrait du speed. Ouais voilà c'est ça. C'est exactement ça, donc on va juste garder ces deux trucs là. Après je pourrais avoir ça. Ça peut être bien. Attaquer un Oni avec une attaque spéciale après avoir obtenu tous les boosts disponibles en dehors de celui-là. Ah d'accord, ça c'est le truc ultime de toute façon. Ok, ça ensuite. On a protection qui est maxée, majesté, ça. On a Oni Slayer qui est débloqué aussi. Augmente l'efficacité de recovery. Et peut restaurer le stock de recovery après avoir fait une attaque de destroyer. Je vais faire ça. Et ici. Du coup, Quicksilver, c'est bien. C'est ce que j'ai. Donc là, il y a moins de cooldown pour Quicksilver. Et là, quand j'utilise Quicksilver, je suis presque mort. Du coup, ça augmente ma quantité de Unity Gauge. Voilà. Du coup, j'en ai deux qui marchent moyennement ensemble, parce qu'il y en a un qui me fait passer pour mort, et l'autre qui demande à ce que j'ai toute ma vie, mais bon. Ça passe. Ah non, il y a bel et bien l'horaire des hommes. Non. C'est pas ce que vous croyez. Ah bon, il veut pas se baigner avec moi, c'est bon, on a compris. Non! On m'a pas laissé entrer. Ah, c'est à cause de la couleur, c'est ça? C'est quand c'est bleu, il faut pas que j'y aille? Je crois que la couleur a changé. J'essaie de faire gaffe à la couleur du rideau. Si c'est bleu, il faut pas y aller à tous les coups. Mais pas très bien. J'espère que ça vous a plu. On continuera l'histoire dès la prochaine session, normalement demain, si tout se passe bien, de Tukiden 2. D'ici que l'on se retrouve, portez-vous au mieux et des bisous. Bye.